Seigneur. Nous prions également que la bénédiction s'attache à elle. Partout où elle ira, qu'elle puisse proclamer que sa vie, éternellement Dieu mon roi, a été transformée, Seigneur, de ce service qu'elle a rendu dans ta maison. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Oh papa, aïe, aïe.
morceau. Vous avez eu Mélodie céleste. Mélodie. Ok, on y va. Sans que je suis pas. Oh, 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 o
Lion rugissant de Judas. Sa majesté recouvre la terre, sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur est incomparable. Au lion rugissant de Judas, au lion rugissant de Judas. Oh, 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 sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Quand la rivière coule,
donne vie à tout ce qui était mort. C'est une rivière de vie. Laisse-la couler ici et maintenant. Quand la rivière coule, elle donne vie à tous ceux qui étaient morts. C'est une rivière de vie, alors laisse-la couler, 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 couler.
ne pas vous rire. Déchargement dans mon micro. I need more power in my microphone. Merci beaucoup. Thank you very much. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Good evening, everybody. Tu as entendu? Did you hear? Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont faim. I think some people are hungry. Il y en a qui n'ont pas mangé. Some of you did not eat. On va voir si ça peut marcher encore. So now we're gonna see if it can work. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Seigneur éternel, mon Dieu, Lord, my God. Roi des rois, King of kings. Seigneur des esprits, Lord of the spirits. Créateur du ciel et de la terre, Creator of heaven and earth. Voici le grand jour que tu as fait, the great day that you have made, que ce jour let that day soit be le jour the day de la manifestation de of ta puissance. Power. Seigneur, Lord, ne laisse pas tes enfants qui sont venus te chercher don't let your children who come to look for you partir sans te trouver, go back without finding you, sans te rencontrer, without meeting you, sans que tu les touches. Without you touching them. Seigneur, Lord, tu as dit dans ta parole, you said in your word, que si nous te cherchons, that if we look for you, de tout notre cœur, with all our heart, tu te laisseras, you will let yourself trouver, be found. Père, Father, voici ta parole, this is your word, s'il te plaît, please, honore-la, honor your word, afin que nos ennemis ferment leur bouche, so that our enemies shut their mouths,
au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Let's clap for the Lord. Je suis très heureux de vous voir. I'm very happy to see you all today. Malgré le temps. In spite of the weather. Une preuve que rien ne peut vous arrêter. And nothing can stop you. Vous êtes inarrêtable. You are unstoppable. Je ne voudrais pas commencer cette conférence. I don't want to start this conference. Sans remercier le Seigneur notre Dieu. To our Lord, our God. Sans glorifier Dieu. Without glorifying Him. Sans oublier. Without forgetting. De dire merci à Dieu. To say thank you to God. Pour tous ceux et toutes celles. For all those qui ont œuvré. Who have been working hard. Pour que cette conférence ait lieu. For this conference. Est-ce qu'on peut les acclamer? Let us clap for them. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Je remercie toute l'équipe d'Océan des Grâces. I thank all the team of Ocean of Grace. Si je vais citer les noms, and if I want to start on risque de faire une conférence de citer les noms. We would be just doing a conference to call names because there are lots of people doing. Et aussi, je remercie tous ceux qui ont contribué. I thank all those who contributed. Tous ceux qui ont aidé. Who helped. Le combat a été rude. The fight was terrible. Mais la victoire a été certaine. But the victory is today. Hallelujah. Regardez comment vous êtes mignon. Look how you are wonderful. Clap for yourself. Je remercie tous les pasteurs. I thank all the pastors. Toutes les servantes. All the women of God. De Dieu. Qui ont bien voulu effectuer le déplacement. Who have come to this place. Pour venir au revivalisme 2024. To come to the revivalism. Que le Seigneur bénisse. Of grace. May God bless you. Amen. Je bénis Dieu pour notre formidable chorale. I bless God for the wonderful musical group of artists, for our brothers, for our sisters. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Bless. Amen. Je sais que vous avez pris votre vol. I know that you votre took véhicule. Your flight, your, qu'il y a même your des car. Gens, il y a des gens qui sont venus à vélo. Even some came by the bicycle. This is not for nothing. But this is not for nothing. Ce n'est pas pour rien. Il y a une raison pour laquelle vous êtes venu pour quelque chose. The Lord brought you here. Le Seigneur vous a envoyé. To show you something. Pour vous montrer quelque chose. So get ready. Alors apprêtez-vous. Acclamez-vous. Clapons de Lord. Je vais devoir appeler la chorale encore. I'm gonna have to call the musical group once more. Profitez de vos cinq dernières minutes. And use the five last minutes that you have. Amen. Amen. Alors ce soir. So tonight. Nous sommes là pour parler de. We are here to talk restauration, about restoration. Délivrance. Deliverance. Du combat spirituel. Spiritual warfare. Et de libération. And liberation. Donc. So. Soyez prêts. Be ready. Soyez, be, soyez, be, soyez, be ready. J'ai entendu maintenant. Now I heard you. Alors tout à l'heure la chorale chantait une chanson que je ne connais pas. A song that the musical group was singing. Emmanuel. Est-ce que tout le monde peut se lever? Can everybody stand up? You are
Et lève-toi, lève la main, dis Seigneur. Raise your hand and say Lord. Seigneur. Lord. Il est là. He is here. Seigneur. Je suis là pour toi. I am here for you. Ils m'ont trop persécuté. Ils m'ont trop persécuté. Je parle pas de moi, je parle de toi. Donc répète avec moi. Seigneur. 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 Tu as entendu? Did you hear? C'est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? It is the day of the Lord, right? Oui, yes. La parole de notre Dieu dit. The word of our God says. Dans leur détresse. In their distress. Ils criaient. They shouted and screamed to the Lord. Il envoya sa parole. And he sent his word. Et les fit échapper. And made them escape. De la force. To the fort, from the fortress. Répète avec mon Seigneur. 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 Dans ma détresse. Aujourd'hui, on va traiter un sujet. We are going to deal with a subject. Majestueux. A majestic topic. Le Seigneur répond. The Lord is good. Mais apprends-toi, faut bien serrer tes pieds. Get ready. Stand on your feet. La salle est remplie. I tell you, the room is filled. Répète avec moi. Repeat after me. Ton père. De ma famille. Aujourd'hui. Je me laisse partir. Je me laisse partir. Il y a des gens qui sont retenus en captivité. There are people that are captive. Par les totems de leur famille. By the taboos of their families. Tous les esprits que tu vois en rêve sont les totems de ta famille. All the spirits that you see in your dream are on the les gardiens. Are the guardians of totems de famille. Of the family. Les amis. My friend. Totem. De ma famille. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Au nom de Jésus. Laisse-moi partir. Au nom de Jésus. Tu vas dire ton nom. You say your name. Si tu t'appelles Eloge. If your name is Eloge. Si tu t'appelles Marie-Christine. If your name is Marie-Christine. Répète avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par ton sang. Je déclare ma liberté. Totem de ma famille. Laisse-moi partir. On est en train de toucher maintenant. Le fond. Les femmes souffrent. À cause des totems de la famille. Ah! Les familles entières. Oh, famille. Prisonnées. Bien-aimé, my beloved, tu n'as pas là pour libérer ta vie. You are not tu es là pour libérer ta fondation. You are here to set your
Please,
S'il vous plaît, quand les gens veulent tomber, when people are about to fall down. Occupez-vous des gens qui tombent, s'il vous plaît. Ok? Où sont les gens qui devaient être avec moi? Ils sont où? Venez, s'il vous plaît. Le plus avec moi. Fais piche de ma famille. J'ai pas entendu. Fais piche de ma famille. Brise-toi et laisse-moi partir. Au nom de Jésus. Fais piche de ma famille. Je te l'ordonne. Brise-toi. 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 Adam et Ève, Adam et Ève, Adam et Ève, Adam et Ève,
pour arriver à la vie humaine, c'est le serpent, le diable. Autour de Jésus, il est venu encore pour essayer de faire la même chose. Faites avec mon serpent de ma famille. J'ai reçu le pouvoir sur toi. Ton alliance entre ma famille et toi est brisée. Est brisée. Est brisée. Serpent, serpent, serpent. Sors de ma vie. Sors de mon corps. Au nom de Jésus. Il va partir. Il faut savoir traiter les problèmes de ce genre. Quand tu combats le spirituel, ce n'est pas la parole seulement, mais c'est la loi. Bien aimé, les deux choses que nous avons traitées ici, même si tu ne tombes pas, quand tu partiras, ton enfant tombera. Bien aimé, à cause du serpent, il y a des gens qui sont mariés mais divorcés. Tu as ton mari, parce qu'il y a un serpent qui domine ton foyer. J'en ai pas. Because of that fear. À cause de ce serpent. Many people are living together. Beaucoup de personnes sont mariées. On sont séparées. Mais elles sont séparées. Le serpent manipule la femme. Because the snake manipulates beaucoup mariées. J'avais toi aujourd'hui. And so, don't come to have sex with me. Come to sleep with you today. Tu vas aller 20 fois.
You will scream. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Peu importe où on m'a attaché. Au nom de Jésus, je sors. Amen. C'est bon. Répète avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Peu importe où on m'a attaché. Dans le royaume des ténèbres. Dans l'eau. Au nom de Jésus, je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Tu es venu parce que Dieu t'a attiré ici pour restaurer ta vie. Donc même si tu ne crois pas, cette restauration est en train de prendre place. Il y a quoi? 25 ans qu'il est tourmenté jour et nuit. Emprisonné. Son nom c'est quoi? Michael. Son prénom ça? Comme la ville d'Europe. Tout le monde avec moi, levez la main. Lève-toi, Fiorin. Michael Rome. Michael Rome. Michael Rome. Michael Rome. Ainsi parle l'Éternel. Ta captivité est finie. Où que tu sois, j'appelle ton âme. J'appelle ton esprit. J'appelle ton esprit. J'appelle. 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 Reçois ta vie comme une éternelle. Reçois ta vie comme une éternelle. Qui a envoyé la photo de quelqu'un? C'est quoi? Il a quoi? Micro, s'il vous plaît. T'as pas de micro pour eux? Oui, mais micro, c'est pour eux. Il s'appelle Samuel. Qu'est-ce que vous voulez pour lui? Ils ont volé sa voix parce qu'ils savent qu'il doit prêcher. Ils ont volé sa voix parce qu'ils savent qu'il va prêcher. C'est pas pour lui que vous avez des problèmes. Les problèmes que vous êtes là, là, lutter avec sont des problèmes qui vous ont donné pour ne pas que vous venez régler les problèmes pour lesquels Dieu vous a envoyé sur terre. They gave you for you not to achieve your purpose on life, on earth. Vous voulez qu'il sorte de là? Comme? Want him to come out of this. Vous voulez qu'il sorte de cette situation? Comme? When do you want him to come out? Quand vous voulez qu'il sorte de cette situation? Vous avez pour la foi, vous là. Et toi, quand vas-tu sortir de ton problème? Tout de suite! Au nom de Jésus! Le Seigneur Jésus a dit que tu seras fait selon ta foi. Son nom c'est Samuel. Ça c'est son prénom. Samuel. Vous voyez, quand on ne peut pas donner les noms compliqués, là, on doit dire qu'il est facile. On dit non, non, prénom, parce qu'on sait que l'on a des noms compliqués. Répète avec moi.
Samuel. Samuel. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Par l'autorité qui m'a été confiée. Et le pouvoir dont j'ai été béni. Je libère ta vie. Ta langue. J'ordonne. Et d'ici que ton père arrive à la maison, que les anges de l'Éternel descendent à toi. Je vois quelqu'un qui a envoyé la photo de sa famille. Je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas de photo. Le Seigneur est allé faire quelque chose ce soir. The Lord is doing something tonight. Amen. Amen. Pour sa maman. Good evening, maman. Pour sa maman. Ne soyez pas jaloux de l'appel de maman. Comment est-ce qu'on voit le micro? C'est votre maman, pourquoi tu m'appelles papa? Quand on dit maman, c'est qui a fils? Elle est. Ah bon? Tu veux quoi? Tu es venu pour quoi? Délivrer. Délivrer, c'est pas. On peut délivrer quelqu'un. Enlève tout ce qui est mauvais qui a fait qu'il ne parle pas. Personne. Oui, elle ne parle pas. Nous sommes là. Elle est même sa bonne ennemie. La fille était éliminée de la maman. She's my daughter doesn't talk to me. Aujourd'hui, son nom c'est. What's her name? What do you want? D'accord. Qu'est-ce que tu veux juste? What do you want exactly? Il y a une notion spéciale. Si on dit parler, il faut parler. Moi, je ne suis pas venu seulement pour te faire tourner, mais je suis venu parler de ta vie. Elle va chercher chez la fétiche. Oui, mais c'est pas là-bas qu'elle va. Elle va pas gagner ça. Non, c'est ici-là qu'elle a la vérité. D'accord. Oui, Monique, n'est-ce pas? J'ai pris que désormais. Dans les jours qui suivent, que Dieu renverse la situation. Et que vous deveniez les meilleurs amis. Les personnes qui prient ensemble. Les personnes qui marchent ensemble. Que le respect soit restauré. Véritable. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu m'as dit parle avec ma force. Et tu les délivreras. Cette dame, au Monique, a rencontré des esprits malsains qui la tiennent enfermée dans les fétiches. Mais cette semaine même, j'entends que tous les fétiches soient jetés. Tous les fétiches soient jetés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur veut dire qu'il parlait à une femme ici. Lève la main si tu es là. Avant de venir ici, tu ne parlais pas avec ton mari. C'est ce qu'il m'a dit. Avant de venir ici, tu ne parlais pas avec ton mari. Tu ne parlais pas avec ton mari. Lève la main. Lift up your hand. Le avec moi. Seigneur. Bien que tu es là pour la restauration de ta vie. Bon, même si tu n'as pas mari, quelqu'un que tu veux trouver mari, lève la main. Seigneur. Restaure. La communication. La joie. La paix. Entre mon mari et moi. Au nom de Jésus. Bien aimé, je parle sur ta vie. Ce esprit de confusion là, je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste avec moi. Ma vie soit restaurée. Ma vie soit restaurée. Ma vie soit restaurée. Ma vie. Sois restauré. Ma vie. Sois restauré. Au nom de Jésus. Ne crois pas que tu es juste en train de parler. Tu es en train de changer les choses dans ta vie. Bien, je te bénis, tu vas recevoir. Je déclare que la grâce de l'Éternel localise quelqu'un au nom de Jésus. Son nom là, ça déploie même les anges. Aujourd'hui, je prie pour la restauration financière. La restauration maritale, la restauration de vos vies, au nom de Jésus. Toute personne qui est malade, aujourd'hui, reçoit ta guérison. Reçoit ta guérison. Reçoit ta guérison. Reçoit ta guérison. Reçoit ta guérison.
reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, il a quoi? Elle a rêvé. Ils ont volé l'image de la dame, de l'enfant. So she dreamed that they had stolen the image or the picture of the child. In the dream. Picture of the child in the dream. Et depuis là, ça ne va pas. Then, ça ne va pas me dire. Nothing is going. Il devait être pris à l'université. Et au dernier moment, il a dit non. It was supposed to be accessible. C'est le petit là où il y a un grand. Il est grand en fait. Il est grand. Voilà, mais comme c'est ça, l'album d'enfant. Ah, ils ont volé sa vie. Ils ont lancé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici Winfield Perron, dont la vie a été mystiquement changée. S'il y a quelqu'un parmi nous, ou bien d'autres personnes en dehors d'ici, qui vivent aussi la même situation, Père, délivre-les. Je prie maintenant que toute chose a été renversée dans sa vie. Sois totalement restauré. Winfried, j'exige la restitution à tes ennemis qu'ils le fassent maintenant ou qu'ils brûlent dans le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Pour tous ceux qui ont des photos, des images, levez-les. Levez-les. Maintenant, dites ce que vous voulez que Dieu fasse pour ces photos. Déclarez-le maintenant très fort. Dis Seigneur, je veux par exemple que tu donnes un mariage à mon fils. Répète avec moi. Seigneur, Seigneur, dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Seigneur, je veux que tu la foi de ma famille en faillite. Je reste le. Maintenant, Seigneur, tu es tout puissant. Tu as promis une grâce spéciale ce soir. Seigneur, restons là. Je prie que toutes ces photos qui ont été élevées, les personnes restaurées, soient rétablies, soient délivrées. Au nom de Jésus. Au nom de. 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 Bien aimé, tu es là, tu es ici, tu es venu. Tu peux aller. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les uns qui suivent, dans les minutes qui suivent, je sais que tu peux guérir ton serviteur. Tu peux le guérir. Tu veux qu'il y ait une guérison, une restauration maintenant. Je ne peux pas laisser quelqu'un venir avec une maladie et échouer. Tu n'échoues pas, Seigneur Jésus. Amen. Tu n'échoues pas. Nous, les hommes, on peut échouer. Mais Jésus n'échoue pas. Alors, je demande une restauration totale. Une restauration totale. Dans les temps, dans les jours, dans les minutes, dans les temps qui suivent. Oh Dieu, montre à cette maladie que tu es le maître de l'univers. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je remets cette situation entre tes mains. Il y a une transformation, une libération. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te restaure. Amen. Et peut-être avec moi. Ma vie. Ma vie. Ma vie. Ma vie. Ma vie. Toutes les paroles que tu es en train de déclarer aujourd'hui. Toutes les paroles que tu es en train de déclarer dans ta vie ont un effet incroyable. Si je vais commencer à faire des choses ici, vous allez courir partout. Je préfère que vous restiez jusqu'à la fin. Je vais aller doucement. Ma vie! Ma vie! Ma vie! Ma vie! Tu ne resteras plus jamais dans ta vie. Sois restauré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, je te libère,
retard, il y a des échecs. Au nom de Jésus. Et t'enterrer comme si tu étais à la croix. Il y a une chanson que le diable lui-même n'aime pas. Tu veux qu'on chante ça? Oui. Maman Lydie. Sors de ta situation.
Avec la solution.
solution. Avec la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais te dire quelque chose. Les Anglais disent get ready. Sois prêt. Amen. Get sois ready. Prêt. Sois prêt. Non. Sois prêt. Non. Get ready. Prépare-toi. Prépare-toi. Be ready. Prépare-toi. Be ready. Sois prêt. Get ready. Prépare-toi. Merci là-bas. Ah. C'est la même chose pour les gars. Lève la main. Lève-toi. Oh Seigneur. Quel est cet amour? Quel amour? Wow! Un amour puissant qui se quelque chose que Dieu est en train de faire. Travail personnel. Dans la vie de chaque personne. Ta vieille vie est en train de partir. Ton ancienne vie est en train de partir. Ton ancienne vie est en train de partir. Je prophétise cela dans ta vie. Reçois une nouvelle vie. Reçois une nouvelle destinée. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Regarde, tu vas faire un pas en avant et te tourner. Tu viens. Tu fais un pas en avant et puis tu tournes. Top, vas-y. One step. Le fais avec moi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Oh, c'est trop faible. Par la foi. Par la foi. Je sors. De la mauvaise direction. Et je prends le chemin du plan de Dieu. Au nom de Jésus. Par la foi. Je sors des problèmes. Et je reçois la paix de Dieu. Par la foi. Je sors de la confusion. Et je reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés. Ta vie apprenait ces paroles. Dis Seigneur. 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 Je pars d'ici renouvelé. Transformé. Que la peur laisse place à la confiance. Oh Seigneur. N'importe mon âge. Je vivrai des jours. Vous m'avez tout volé. Mais Jésus te restaure aujourd'hui. J'ai une parole pour le papa. Papa, bonsoir. Quel est votre nom? Elle est ici. En plus. Le Seigneur est fait à la taille aujourd'hui. Amen. Le Seigneur restaure tout. Amen. Quelle est la parole? Je vivrai des jours de je vivrai des jours de Seigneur Dieu Tout-Puissant, cet homme a cherché toutes ses forces. Mais aujourd'hui, il te trouve. Parce que je te souviens de lui. Je prie maintenant, Père, que la grâce ne parte plus jamais de sa maison. Amen. Sa famille. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Que le Seigneur change ton histoire. Comme il a décidé de changer l'histoire de beaucoup de personnes parmi nous. Amen. Je sais cela. Je sais cela. Je le sens. Merci. Je l'ai demandé. Et avant que tu ne viennes, j'ai vraiment parlé à Dieu. J'ai vraiment dérangé Dieu avant que tu viennes.
J'ai vu que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toute la prière que tu as apprise. Amen au nom. Qu'il soulage tes genoux. Et que tu dises maintenant, j'ai été exaucé. Maintenant, je peux souffrir. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen au nom. Ne crois pas que parce que je n'ai pas parlé, Dieu t'a oublié. Il y a des gens qui disent que tu peux toucher. C'est pas un démon. Dieu t'a déjà touché. Amen. Toutes les paroles que je vous fais déclarer aujourd'hui sont ordonnées par Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare, crois et tu verras cela. Lève la main. Seigneur. C'est pas fort. Seigneur. Aujourd'hui, je prophétise une nouvelle vie. Aujourd'hui, je prophétise la restauration au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prophétise que toute personne dans la famille de qui il y a la maladie mentale, que la maladie mentale s'en aille. Maladie mentale, esprit de drogue, part. Au nom de Jésus. Il a quoi? Il a quoi? Traîner ma petite tout du travail, mon vieil mot. Pourquoi c'est tellement du coup même santé? Il y a beaucoup de choses qui sortent de les yeux, comme le rasoir. Puis j'ai pas mon téléphone, nous venons pour nous mettre ça aussi. Vous avez envie de sortir mon respect. Elle est toute contente d'avoir regardé. Le Seigneur est notre Dieu et tout. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses pour lui? Moi, je veux que mon fils ait un travail et je veux avoir une maison parce que je vis dans une maison louée, une seule chambre et nous fasse beaucoup de misère, beaucoup, beaucoup. Quatre voisins autour de nous qui te font la misère. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Elle est venue par la foi. Cette bataille de longue durée, de longue date, profite aujourd'hui. Maintenant, le feu de Dieu descend dans ton corps. Le feu. Le feu. Que le sang soit purifié. Le sang. Tes enfants, ta famille et toi. Soyez restaurés. L'onction maintenant parle pour toi. Sois restauré. Sois restauré. Je prophétise que des blocages. Que ton bienfaiteur te localise aujourd'hui. Dans les 3 mois qui suivent, ton histoire, telle que tu as demandé à Dieu, reçois au nom de Jésus. Personne ne sortira ici sans être restauré. Lève la main. Dis Seigneur, je suis venu parce que je crois en toi. Seigneur, je suis venu parce que je crois en toi. Ne me laisse pas partir dans la souffrance et dans la douleur. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, Seigneur. Je suis venu parce qu'on m'a dit que tu guéris. Guéris-moi aujourd'hui. Restaure-moi aujourd'hui. Rétablis-moi aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, je déclare que je reçois par la foi ce que je suis venu chercher au nom de Jésus. Vous savez, aïe, est-ce que je dois dire ça? Oui. Tu savais pas que j'ai peur de toi? Non. C'est bon. Vraiment? Non, regarde-moi. Mais vraiment, qu'est-ce que tu veux? Je voulais je savais que pour elle c'était un mariage. Mais pour lui là, c'est quoi? Délivrance. Délivrance. Mais regarde-moi. Maman. Ah, reçois. La fondation est purifiée maintenant.
la fondation, le sang de famille, au nom de Jésus. De par ton sang, que ta famille soit purifiée maintenant. La malédiction est brisée. Là où tu t'es battu, j'arrête la bataille dans la vie de tes enfants. Qu'un nouveau soleil se lève au nom puissant de Jésus. Merci. Acclamez le Seigneur. Amen. Tu as mal quelque part. Mets la main là-bas. Put your hands where you are suffering. Mets ta main là où tu as mal. Lay your hands where you have a pain. J'ai même mon Jésus, Jésus, Jésus. Mettez la main là-bas encore. Lay your hands where you are hurting. Jésus, Jésus, Jésus. On m'a dit que tu guéris. On m'a dit que tu guéris. Il va te guérir. Mais la main là-bas. Je t'ai pas encore dit dans les mains la main là. Arrête de faire comme si tu étais vieux. Tu es jeune. Stop doing as if you are. Jésus. 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 Mon âme. Mon âme. Mon esprit. Mon esprit. Mon corps. Mon corps. Ma santé. Ma santé. Mon sang. Mon sang. A besoin de toi. Guéris-moi. 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 De Jésus. Garde la main où tu es. Seigneur Jésus, je viens prier pour la guérison de toute personne qui a mal. Bien aimé l'onction que j'ai envie. Je viens prier pour ta guérison. Quiconque est malade, quiconque souffre, quiconque a des problèmes aux pieds, aux yeux, au cœur, à l'âme, peu importe. Reçois ta guérison. J'ordonne maintenant à l'esprit derrière ta situation de s'en aller. J'ordonne à ce démon-là de s'en aller. J'ordonne à ce démon de s'en aller. Par le pouvoir qui m'a été conféré. Pas! Entre toi et moi est brisé. Maladie chronique.
pour Seigneur. 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 Fais de moi une nouvelle personne. Avec une nouvelle vie. Alléluia. Seigneur. Seigneur. Fais de moi une nouvelle personne. Avec une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Chaque parole touche la fondation. Dis Seigneur. 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 Par ton pouvoir. Aujourd'hui, je sors de la limitation et de l'emprise de la sorcellerie. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle a reçu pour elle. 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 Dis Seigneur. Mon cœur a été courbusé. Restaure-le. Seigneur. Répare mon cœur. Répare mon cœur, répare mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon âme. Seigneur, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon âme, guéris ma vie, guéris mon âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Restauration totale aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Jésus peut encore le faire? Dis Jésus, je crois que tu peux encore le faire. Jésus, je crois que tu es plus que capable de le faire. Voici ma situation. Restaure-moi. 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 Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens ici. Tellement de Big, strong, tellement de problèmes. Tellement de combats. So much violence, battles. Que ta destinée a pris un grand retard. That your destiny has been greatly delayed. Aujourd'hui, but today, le Seigneur me met une parole à cœur pour toi. Lord is putting words in my heart for you. À tout homme. To all men. Femmes. Women. Toute personne ici. Any person here, dont la moitié de la vie a été volée. Whose half of the life has been stolen. Je prie maintenant. I pray now. Pour l'accélération. For the acceleration. Je déblocage. Au nom de Jésus. Je prie maintenant. I pray now. Sur toute femme. For all women. Peut-être que tu crois que cette femme c'est toi. Maybe you think that woman is. Je prie sur tout homme. I pray for all men. Peut-être que tu crois que cet homme c'est Maybe toi. You believe this man is you. Si tu crois que c'est toi, à la fin de ma parole, dis je reçois. Je prie que tout ce qui avait été retardé soit débloqué, accéléré. Au nom de Jésus. Je reçois. I receive. Dis avec moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus. Ne me laisse pas retourner. Il se passe quelque chose dans cette salle. Est-ce que vous sentez ça? Oh mon Dieu. L'air est chargé de puissance. Seigneur. 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 Cette histoire m'a trop retardé. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'abandonne mon problème et je pars avec la solution. Au nom de Jésus. Alléluia. Et bien, tout ce que tu toucheras désormais sera restauré. Tout ce que tu toucheras aujourd'hui réussira. Je parle pour tout le monde. Everything you will touch. Tout ce que tu feras. Succès, 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 succès. Dis avec mon Seigneur. Essuie les larmes.
Regardez. Plusieurs années de problèmes. Dieu est en train de tout balayer. Dieu est en train de tout laver. Il est en train de tout enlever. Succès. Localise-moi aujourd'hui. Succès. Je vais habiter avec toi. Viens chez moi. Déjà mon ami. Succès, succès, succès. Toi et moi, on est amis. Au nom de Jésus. Hey! Le bonheur. Bonheur. Toi et moi. Désormais, on devient amis. Fais ce que tu sais faire. Do what you know how to do. Jésus. Fais ce que tu sais faire. Do what you know how to do. Tu es venu guérir. Tu es venu restaurer. Tu es venu ouvrir les yeux. Tu peux me guérir. Jésus. Visite tête de maman. Qui s'est battu pendant des années. Reçois la restauration totale. Seigneur Jésus. Maintenant. Visite-la. Restaure. 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 Seigneur Jésus, je te confie sa santé, ses pieds. C'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Jésus, Jésus, restaure là. Jésus, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur Jésus, il est écrit. Pardonne-le. Pardonne-le. La honte sera dans le camp. Et la victoire sera pour toi. Le Seigneur est venu te dire, pardonne-leur. La honte sera dans leur corps. Et la victoire sera pour toi. Dis Seigneur Jésus, aide-moi à tenir ferme. Peu importe les combats. Et restaure-moi. Au nom de Jésus. Avec moi. Seigneur Jésus, voici ma vie. Je te love. Restaure-la. Fais de moi ce que tu veux. Ah. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu as prévu. Avant de m'envoyer sur terre. Au nom de Jésus. Venu vers toi. J'ai quitté toute maladie que t'ont lancée, tout début des cancers.
est caché, que tu ne sais pas. Les douleurs dans ta poitrine s'en vont maintenant. Tout ce qui vient faire du mal s'arrête aujourd'hui. Je viens briser le plan d'ennemi sur ta vie. Je viens briser le plan d'ennemi sur ta vie. Rien de mal n'est arrivé. Au nom de Jésus, tout ce qu'ils ont prévu pour toi soit annulé. J'ai dit tout soit annulé. Tout soit annulé. Tout soit brisé, annulé. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Mon Seigneur, que tout plan caché de mes ennemis soit brisé. Seigneur, que tout plan caché de mes ennemis soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Au nom de Jésus. Le juste vivra par la foi. Je le laisse conduire. Quiconque croit et déclare, sache que tu as reçu. Dis Jésus. Jésus. J'ai été comme humilié. J'ai été comme humilié. Restaure-moi. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Ne les laisse pas détruire ma famille. Seigneur Jésus, ne les laisse pas nous détruire. Tu parles pour toi aussi. Seigneur Jésus, ne les laisse pas détruire ma famille. Restaure-nous. Ouvre nos portes fermées. Aide-nous à vivre ton plan. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu tout puissant,
la méchanceté s'arrête. Oh Seigneur Jésus. Restaure sa vie. Que cette bataille en rêve s'arrête. Ce changement s'arrête. Je vois une personne qui est attaquée toutes les nuits. Et qui a obligé de se lever parfois au milieu de la nuit pour tout le monde. Seigneur, tu es tout puissant. Oh Lord, my God. Ma sœur.
Que ferait Dieu de visiter aujourd'hui? Je prie que tu retrouves tes sens et que les jours qui viennent soient des jours heureux pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus.
Lève la main. Elle a quoi? Ça fait 4 ans qu'elle a eu le bac et ça fait 4 ans qu'elle n'a pas allé à l'école. Et du coup, elle est partie de la maison. Oui. Elle est avec moi. Elle s'appelle Sarah. Oui. Les bonnes nouvelles pour certains sont les mauvaises nouvelles pour d'autres, n'est-ce pas? Quand tu annonces les bonnes nouvelles aux gens, fais très attention. Quand les nouvelles ne se préparent, ne se partagent pas. Depuis que la paix a eu son bac, depuis 4 ans, elle a quitté la maison. Parce que quelqu'un a entendu que sa vie allait réussir. Et ils ont reversé sa vie. Amen. Son nom c'est Sarah. Sarah Péchandon. Seigneur Jésus, voici la mère de Sarah. D'accord, Seigneur, merci. Je m'appelle que ces hommes, ces personnes, que le Dieu a utilisé, je la libère de toi. Sarah Péchandon, c'est ça? Péchandon, Sarah. Je t'appelle. Écoute ma voix. Et reviens. Reviens à ta mère! Sarah! Sarah! Où que tu sois, abandonne ce qu'ils t'ont confié. Reviens! Retrouve tes études. Sarah! Péchanson! Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Reviens! Reviens! Reviens chez ta mère! Au nom de Jésus. Elle reviendra et elle s'excusera à genoux pour la gloire de Dieu. Assieds-toi une minute et tu vas finir encore. Assieds-toi. Dis avec mon Seigneur. Je ne retournerai pas tel que je suis venu. Vous savez, j'ai décidé de commencer comme cela pour vous préparer à ce qui vient. Ce qui manque dans la vie des gens, c'est la parole. Je ne parle pas de vos chants. Bah, 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 bah. I'm not talking about the speaking in tongues. Dieu dit, on est à Isaïe 58. Ma parole ne se retourne jamais à moi sans effet. Il y a des gens qui vivent des situations. Some people are experiencing some situations. Des batailles. Initié par des paroles. Au commencement, il était là. La parole était Dieu. N'est-ce pas? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est pour cela ce dont tu as besoin, c'est des révélations. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Il n'a pas envoyé un pasteur. Il n'a pas envoyé une servante de Dieu. Mais il a envoyé sa parole. Les Écritures disent que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle par les rêves. Pendant que tu es en train d'amener la parole de Dieu est un rêve. And while you are talking in tongues, the word of God is a dream. La parole de Dieu est un rêve. The word of God is a dream. Mon frère, quand il a parlé, toi tu vois son rêve, non? Mais le rêve est une parole. La vision est une parole. Vision is the word of God. Dieu t'a parlé hier. God spoke to you yesterday. Dieu t'a parlé avant-hier. He spoke to you the day before.
Dieu t'a parlé, non? Did he speak to you? Il parle his avec rêve et parle vision. Tu dis, Seigneur, parle-moi, tu rêves tous les jours. Ce qu'il reste, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est la compréhension de la parole. Il t'a parlé de ton avenir à répétition. Il t'a donné sa parole. Ne néglige pas ce que tu vois. Do not neglect what you see. Et encore, ne raconte pas à tout le monde ce que tu vois. Do not tell everybody what you see. Dans ce que tu as vu. In what you saw. Et dans ce que tu continues de voir. And in what you are seeing. Il n'y a pas grand de Dieu pour ta famille. Lève la main, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Que ta parole s'accomplisse. Les enfants de Dieu, votre problème, your problem, c'est le manque de connaissance. Is the lack of knowledge. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Jésus. Jesus. Père, j'entends que ta parole dans ma vie s'accomplisse. La parole qui s'accomplit, c'est la parole qui entend la parole. Tu parles à la parole de Dieu dans ta vie. Parole, parole, parole. Réalise-toi. Au nom de Jésus. Elle se réalise aujourd'hui. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dans ta vie. Dans ta parole. The word of God in your life is les right paroles que je vous ai sont esprit et vie. The word that you speak are spirit and life. On ne se fait pas devant la parole de Dieu. You don't be silent in front of the word. Il a donné sa parole. He gave you his word. Il a dit. He said. Tu deviendras millionnaire. You will become a millionaire. Tu as vu ça sous forme de rêve. He said it in the dream. Il t'a donné sa parole. Il a dit tu vas voyager. Pour faire son œuvre. Tu as vu ça sous forme de rêve. Jésus, dis Seigneur, pardonne mon ignorance. You no more need a preacher from the moment you hear the word of God. Dès le moment où vous entendez la parole de Dieu. You no more need a preacher. Vous n'avez plus besoin d'un prédicateur. Dès le moment où vous avez prêché, parce que le Dieu tout-puissant a déjà prêché. Vous avez déjà prêché. En vous envoyant sa parole. Isaïe 58. Ma parole. My word, as I does not come back to me. Sans effet. Without effect. Sans avoir accompli. Without accomplishing. Mes désirs. My desires. My plans. For you. Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, je suis en train d'aller quelque part. À partir d'aujourd'hui, today, tu deviens la personne you become the qui manifestera la you parole. Tout ce que Dieu attend de vous, everything God is waiting from que you, vous parliez à la parole. Speak to the word. C'est la vérité. This is the truth. Écris la prophétie. Write the prophecy. Grave-la. Mais lorsque tu as gravé la prophétie, but when you have parle la prophétie. Récite la prophétie. Dis à la parole. Ainsi parle l'Éternel. J'ai reçu le pouvoir de te donner vie. C'est fini là. La parole de Dieu qui a été déposée dans ton rêve. Tu vas parler à la parole. You must speak to that word. Est-ce que vous comprenez? Mon oncle qui est là. Here is my uncle. Les Anglais disent, I'm going to make it simple. Les Anglais disent, I'm going to make it simple, very simple.
sais, je vais le rendre simple. Les Anglais disent, je vais le rendre très simple. Quand Dieu te donne la parole, when God gives you the word, c'est parce qu'il t'a créé comme Dieu. Ou que tu crées comme lui, que aussi par la parole. Through the word. Fruit de ta langue, un homme se nourrira. From the fruit of his tongue, yeah. Du fruit de sa langue, tu te nourriras. Ah. Parole de Dieu dans sa vie. Tu la libères de l'emprise de ces animaux qui t'attirent. Mais quand tu parles de ça, tu parles. Tu parles. Sois bon. Ta mission est terminée. Ta mission est terminée. Pour toi, ce pain. Pour toi, ce piton. Tes familles. Acclame le Seigneur. Baptiste a touché. Tu le sois ta délivrance. Papa, pendant des années, les gens souffrent. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui là, reprends tous les rêves que tu as fait. Now go and remember all the dreams that you have. Pourquoi vous souffrez? Do you know why you suffer? Quand la parole est donnée, il faut que la personne à qui la parole est donnée ne parle à la parole. Speak to that word. Bravo. Quand il dit invoque-moi, vous demandez ce que je t'ai promis. C'est pas la parole, c'est pas la parole. Si la parole est Dieu, que Dieu dit, j'ai déclaré quelque chose sur la vie. Prie, parle à cette chose. La parole parle à qui? La parole. Who is the word speaking to? The word. C'est la vérité. That is the truth. Ton problème, c'est qu'on vous a menti pendant des années. Vous nous voyez comme des superstars. Parfois, mon grève d'aller pour être aujourd'hui. Un jour, j'ai tiré mon bras, mais j'ai failli tomber. Pourtant, la parole t'a déjà parlé. Qui a rêvé cette nuit? Bon, il y a des gens qui rêvent chaque heure. Qui a rêvé l'année passée? Il y en a qui. Ah, tiens. Ok, je vais expliquer ton rêve. Tu ne peux pas rêver les noms, tu vas m'envoyer le jour. Ok, attendez, attendez. Musicien, pardonnez, soyez pas jaloux des autres. Quoi. Merci. Qu'est-ce que tu as vu au rêve? Ma parole va expliquer la parole aujourd'hui. Hier soir, j'ai eu le rapport de chez quatre enfants. Trois garçons et une fille. Et l'autre, c'est un basketteur. Mais cette nuit, j'ai beaucoup pleuré. Je ne comprenais pas pourquoi. Et ma fille qui me disait, maman, on ne sait pas là où ton fils est. Je dis, mais si. J'ai beaucoup pleuré. D'accord. Et qu'est-ce que la parole t'a dit? Aucune explication. Mais tu as rêvé, non? Oui, j'ai rêvé. Moi, c'est rêve, j'ai une explication avec tes connaissances. Mais c'est par rapport à mon fils. En fait, j'ai quatre enfants. Tu as vu quoi hier? J'ai vu mes trois enfants. Oui. Mais il manquait celui qui est basketteur. D'accord. Et j'ai demandé à tout ce monde. Que, où est parti mon garçon Alain? Et ma fille qui m'a répondu que maman, je ne sais pas là où il est parti. D'accord. Et j'ai peur, j'ai beaucoup pleuré jusqu'à ce que je me suis réveillée ce matin. Parce que il a été spirituellement rétroché. Amen. Il faut que tu demandes à Dieu de le replacer spirituellement. D'accord. C'est tout. Alléluia! J'ai détruit l'hôtel de bal de ma famille. Ah, on me poursuit. Mais on me poursuit. L'hôtel de bal de ma famille. L'église mafieuse de ma famille. L'église de mafieuse. Seigneur Jésus, intervient. Ah, alléluia. On me persécute. Alléluia. Et parce qu'il était champion de France.
Ah, j'ai mis ta photo sur Facebook. C'est bon, vous vous foutez. Ne croyez pas que vos photos de Facebook sont vos photos. Tous les marabouts ont accès à ça. Vos amis, jamais. Vos parents sont aussi prêts à parler de ça. Je rappelle ton enfant. Je rappelle ton enfant. Je détruis le rituel de ses parents. Je détruis cela. Amen. Je n'ai pas seulement attaqué ton enfant, tu as des sérieux problèmes dans ton mariage. Alléluia. Sérieux problème de. Seigneur, touche. Dis-le, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. 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 Seigneur, touche-moi. Sauve-moi. Que ta famille soit restaurée. Alléluia. Alléluia. J'ai vu la canarie de ma famille. Alléluia. Alléluia. Il m'a montré. Ah, il m'a montré. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé. My beloved. Si tu as rêvé, if you have dreamed, ne néglige pas là. Do not neglect the word. Et l'ange peut ne pas t'appeler pour te saluer. Maybe I will not call you to greet you. Mais si tu as rêvé. But if you have a dream, si tu te souviens avoir, if you remember, avoir quoi? Your dream. Rêvé. Ou bien même si tu ne te souviens pas, ils ont brûlé ta tête. Je ne sais pas quoi. Parle. Avec moi, mon esprit. Écoute-moi. Tu ne seras plus jamais manipulé. Au nom de Jésus. Écris tous tes rêves à genoux. Renverse ce que tu dois. Détruis ce que tu vas détruire. Appelle à la manifestation ce que tu vas appeler à la manifestation. Quand vous allez au lit, ils vous maintiennent dans la distraction. Quand vous vous réveillez, ils vous emmènent dans le téléphone. Parce qu'ils savent que si vous priez pour l'éveil, vous annulez ou vous programmez. Amen. Je vais être avec moi. Les mauvais rêves, je vous brise. Je vous annule. Au nom de Jésus. Mes bons rêves, je vous ordonne de vous manifester. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu s'intéresse à ta vie. Amen. A telle allure que dans un grand pays, lui te parle toutes les nuits. Tu peux imaginer comment Dieu t'aime? Est-ce que tu rêves? Beaucoup. Ça veut dire que Dieu te parle beaucoup. Amen. Est-ce que tu rêves? Beaucoup. Ça veut dire que Dieu te parle beaucoup. Toi, tu ne rêves pas. Qui ne rêve pas? Lève la main, il ne faut pas avoir honte. Lève la main. Qui ne rêve pas? Je vais t'expliquer pourquoi tu ne rêves pas. Quelqu'un a dit à ton esprit, ne lui rappelle jamais ce que tu vois. C'est ton esprit qui retient les rêves. L'esprit du Seigneur vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc quelqu'un la nuit dit à son esprit, je sais que tu sais qu'elle sera grande. Je sais que tu sais qu'il sera grand. Je sais que tu as vu. Mais tu n'ouvres pas la bouche. Lève les yeux. Dis mon esprit. Mon esprit.
J'ouvre tes yeux. Au nom de Jésus. Mon esprit, écoute-moi. Désormais, tu me diras tout. Tu m'expliqueras tout. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, on n'est pas obligé de venir faire tomber tout le monde. On a juste besoin de te donner un seul secret. Ta vie. Dis avec mon Seigneur, délivre-moi de la négligence. Délivre-moi de la négligence. Des situations que vous avez vues, que vous auriez pu renverser, vous avez négligé. C'est quand ça a commencé, il n'y a pas de même ici. Faut changer. Si la parole de Dieu, le Messie, le roi, est venu dire, mon fils, tu as rêvé, tu as vu beaucoup de fruits pourris, tu as vu beaucoup de poissons pourris, ok, tu sais pourquoi? Ils t'ont fait manquer des opportunités. Tu as rêvé des fruits pourris, des poissons pourris, ou tu as rêvé quelqu'un qui a fait de pêcher des poissons à ta place. Tu as rêvé des oiseaux sur des arbres. Birds on the trees. Dieu est en train de dire, on est en train de dévorer le bonheur que j'ai déposé dans ta vie. Et quand on se réveille, on va sur Facebook. On va aller voir si Donald Trump va être au pouvoir ou bien qu'il a le pouvoir. Dieu t'a parlé. Pourquoi se battent-ils autant pour que tu ne te souviennes pas de tes rêves? Parce qu'il y a la délivrance dans les rêves. Jésus a été sauvé. Quand un ange est venu, il y avait mon Seigneur. Que toute personne qui retient mes rêves les libère. Mes rêves, soyez relâchés. Au nom de Jésus. Amen. Bien de le Seigneur, je te dis, est tellement important que c'est tout ce que je vais te dire ce soir. C'est ce que je te dirai ce soir. Écris la prophétie et grave-la. C'est une prophétie dont le temps est marqué. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, ce n'est pas les plaintes, ce n'est pas les murmures, ce n'est pas les on me fatigue. C'est au nom de Jésus. Je change cette situation. Je change cette situation. Je la reverse au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'elle se renverse dans ta faveur. Mon frère, va à la maison. Tu l'as dit. Et bien avec moi, je vous ai loupé. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vous manquer. C'est la vérité. Ils croient qu'ils sont sauvés. Parce que tu ne savais pas de secret. Un jour, tu vas parler en anglais. Strong man of my life, die! Enfant de ma vie, meurs! Strong man of my life, die! Le jour qu'il vient dans tes rêves, pour lui, c'est mon dernier avertissement. You will tell that this is my last warning. C'est la vérité. Pourquoi tu gardes la bouche fermée? Why do you keep your mouth shut? Alors qu'il y a des gens qui savent que la parole est écrite. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est la bouche fermée. Sont au pouvoir.
pouvoir de la langue. Du fruit de la langue, un homme se nourrira. Et quand il te révèle quelque chose, et en train de dire, ma fille, je t'ai déjà livré ça. Je t'ai livré ça. Prophétise ça. Ordonne ça. De se manifester. Ce que tu ne veux pas, casse, détruis et annule. Et il te sera fait selon ta foi. Qui a rêvé cette semaine? Il y a des gens qui rêvent, ils sont avec des présidents. Et je prends parce qu'ils sont pasteurs. Pasteur, j'étais avec un président, faut venir encore. Les gens que Dieu te révèle en rêve, ça veut dire, voici ça, parce que les doigts sont comparables. Amen. Donc le jour que tu rêves d'une grande maison, c'est pas que tu vas acheter. Je vais vous faire rigoler un peu. C'est pas que tu vas acheter une maison à Noisy-le-Sec. C'est pour dire quoi à Noisy-le-Bois. Ici, il y a que des Noisy. Le jour que Dieu te montre une grande maison, cela voudrait dire ta fille est une merveille. C'est la vérité. Quand un démon sort du corps, il dit quoi? Je retournerai dans ma maison. La maison, c'est ta vie. La parole de Dieu déclare que c'est par la sagesse qu'un homme bâtit sa maison. La maison, c'est ta vie. Your house is your life. Maintenant, il ne faut pas pleurer. Now, vous qui rêvez de maison inachevée. Après, pas trop. Après, les briques sont juste en bas. Parfois, même, ils ont pris tout les ciments. Oh, Seigneur, pitié de l'être. Dis avec moi. Ma vie. Écoute-moi. Tu ne resteras plus inachevé. Au nom de Jésus. Un jour, je ne sais pas si je dois dire 22 ou 30, le Seigneur m'a montré ces anges qui sont venus, qui ont commencé à achever une maison. Ma vie était inachevée. Répète avec moi, Seigneur. Si ma vie est restée inachevée, envoie tes anges pour la rebâtir au nom de Jésus. Amen. Ma sœur, toi tu viens poser ton souvenir. Ma sœur, si ta vie était restée inachevée, je parle à ta vie. Remain unachieved, I speak to your life. Répète avec moi. Repeat after me. Ma vie. Réveille-toi. Arise. Sois achevé. Wake up. Au nom de Jésus. C'est la vérité. Depuis des années, une seule bataille a pris toute ton énergie. It is several years. Bataille maritale. Since the same battle is taking over your life. Un déséquilibre total, vrai ou faux? Répète avec moi, Seigneur, que toute partie de ma vie qui a été bloquée soit débloquée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les paroles que j'ai dit, il ne faut pas lire la Bible, il n'a même pas lu la Bible, mon ami, c'est pas toi qui décides, c'est le Saint-Esprit. On n'est pas venu pour lire la Bible, on est venu pour expliquer. Amen. Frères et sœurs, Dieu est en train de toucher vos vies aujourd'hui. Amen. Vous partirez, les choses changeront. Amen. Dieu avec moi, ma vie. Que toute partie de toi retenue en otage soit libérée. Dieu, mets la vie sur tout ce qui est mort dans ma vie. Bring life to everything that is dead. Commence à parler. Dis le Seigneur, mets la vie. Quand il y a sa mort, prends la vie dans les groupes où on ne se parle plus.
les maisons où les gens sont plus. Vraiment, nous devons t'amener la vie. Parle à ta vie. Ta vie ne restera plus comme tes ennemis l'ont décidé. Pour profiter des derniers instants en train de finir aujourd'hui. Ma vie, reçois la vie de Christ. 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 Nom de Jésus. Amen. Beaucoup de personnes ici ont des problèmes parce que quand la parole leur a été donnée, la parole n'a pas parlé à la parole. Il a dit qu'il a déclaré quelque chose dans ta vie. Mais ce qui a été déclaré dans ta vie ne prendra vie que lorsque la vie qui est dans ta bouche parlera à la parole. Parce que ta parole est un esprit qui donne vie à la parole de Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. J'ai dit, seulement 3 jours. In just 3 days. 3 combien? Comment on dit ça chez les Martiniquais? 3 jours. Ils ont oublié les Français. 3 jours. Trois jours. Jours seulement. Ma soeur. Quand tu parles à ton père. When you speak to your altar. Parle. Speak. La parole. To the word. Elle est sorcière. The witch. Ils croient ça. They do that. Ils vous maudissent. They curse you. Ils sont sorciers. They are. Ils vous maudissent. Mon ex-copain qui n'est pas chrétien mais qui m'a dit. Et lui, tu vas partir. Said, en dehors de moi, tu n'as pas de garçon. Except for me, you will not get any man. Est-ce que ça n'a pas marché? Oh, réponds quand même. Please, est-ce que ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché? Ça a marché! Et il n'y a pas de problème de ça là. Même si ça n'a pas marché, t'as eu peur quand même. J'ai dans le nom de Jésus, j'ai l'esprit de la parole. Vaincu. Convaincu là qu'il y avait que ça n'a pas marché. La parole a parlé à la parole. Ce soir, je viens de te donner un grand secret. Tu n'es pas en retard. Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Tu sais pourquoi les choses sont en retard? Parce que ma parole n'a pas donné vie à la parole pour la manifestation de la promesse. Ma soeur, tu veux que je fasse quelque chose? Ok, on va faire une expérience. Qui veut prendre part à l'expérience? Moi, je ne suis pas scientifique. Ma soeur, donne-moi 3 choses que tu veux cette année. Attends. Tell me 3 things you want this year. Tu peux dire à mes oreilles, attention, attention. Carton par les fois, ils m'ont entendu maintenant. Donnez-lui le mot. Restauration. C'est de ta famille. Les mariages pour mes enfants. Ma femme, tes enfants. Et la paix au sein de la famille. La paix. C'est bon. Oui. Tu ne fais pas aussi tout ça. Oui. Tu sais, non, Dieu, tu ne pas dans le monde, tu ne pas te dire oui. Trois jours. Les problèmes financiers viennent à la maison. Voilà, ce que tu ne pouvais pas dire. Tu les as dit. Les 4 choses. Écris-les. Il y en a qui sont venus. Il y en a qui sont venus.
tout gravé sur les quatre doigts. Quatre éléments. Au lieu de trois mois, tout s'accomplira. J'ai dit quoi? Moins de trois mois. Écris la prophétie. Grave là, on la cible. Jour et nuit. Tout la parole doit parler à la les prophètes, on a dit qu'il y a une manière là, c'est pas comme ça marche. Vrai ou faux? Depuis que tu racontes tes histoires là, ben on a vu quoi dedans? Tous les prophètes savent qu'on a prophétisé par Jésus d'aller. Ne laisse plus les gens qui font parler beaucoup. Parce que toi là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Toi là, quand tu as fait ça à Mimi, ben tu vas savoir qui ça s'est passé. Et ma soeur, Jésus. Pardon, délivre enfant des gens. Eh, dis le Seigneur, délivre ma bouche. La bouche qui est là, là, il faut respecter ça. Ah, mais nous, c'est l'esprit. Bouche là. Attends. Quelqu'un sait ce qui est dans ta bouche. Et il te fait parler pour que ta prière là soit annulée. Non, pardon. Quand tu vas écrire tes quatre affaires là, matin, une heure. Matin, le soir, une heure. Moins de trois mois. Je te dis même avant les quatre choses que tu vas demander à Dieu. Dieu les accomplira. Moins de trois mois. Quand à partir d'aujourd'hui, la condition, c'est ta bouche. Dieu te bénisse. Ma soeur, ça marche. Ça marchera pour toi, ça marchera pour elle, ça marchera pour tout le monde. La vie. Au pouvoir de la langue. Tu as la langue, non? Dit, tu vas dans ton quartier. Comment s'appelle ton quartier? Caro. Ton quartier s'appelle Caro. Caro, ton quartier s'appelle Caro. Vous avez le nom bizarre ici. J'ai dit, viens, laisse-toi. Vous savez, le juste vivra par là. Hein? Tu sais, moi, je peux te dire quelque chose. Aussi jeune que tu es, tu peux être le plus jeune maire de ton quartier. Amen. 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 C'est la vérité. Faut seulement faire une alliance avec Dieu. On dit Seigneur, si tu permets que cela se réalise, je prends une église ici, je prends une église ici. Il le fera. Amen. Écris-le. Amen. Ne dis pas non dans ce pays-là, il n'y a pas de discours. La bouche de l'Éternel a parlé. Il est capable de tout. Amen. 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 Ça, c'est joué au jeu vidéo là. Une histoire. C'est des jeux au jeu. Monsieur Gueule, Gueule-moi. Rally. Oh. Non, je me suis trompé. J'ai pas vu. Est-ce que tu joues au jeu vidéo? Oui, maintenant. Non, est-ce que tu jouais? Je, oui, je jouais. Vous m'avez entendu? Il a dit, je jouais. Ah, mon frère. Tu as marqué beaucoup, hein, mais tu as le dit. L'esprit de Dieu te connaît. Pas. Je chasse les Jézabel, les sirènes des eaux, les filles bizarres qui te je les dégage. Amen, je reçois. Il faut que on pilote ce téléphone. On supprime tous les numéros là. C'est vrai. C'est vrai, mon frère. Ah mon père. Maman a confirmé. Oui, j'ai confirmé. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Je l'ai pour quelque chose. Il n'a jamais existé dans ta famille. Je tiens à le dire. En plus, ça fait Gédéon. Gédéon, pourquoi mon Gédéon que je connais là? Fais un chrétien. Va reprendre la lecture biblique. Je le vois avec la Bible en main. Si, il me donne pas la confirmation.
Délivre-moi de la distraction.
Amen. Au bout de quelques temps, ce que tu as déclaré prendra vie.
ne néglige pas ta word. Maintenant que tu as remarqué que quelqu'un ne veut pas que tu pries. Now that you notice that there is someone that wants you to pray, go home and pray for 2 hours. Quand tu commences à beaucoup prier, qu'est-ce qui se passe? When you start praying too much, what is happening? On vient t'étrangler. Au niveau des têtes, tu nous empêches. You will feel that someone struggles you to prevent you from speaking. Je te bénis. Il y a un homme même là qui ne va même pas venir te dire, faut te dire, faut s'asseoir sur toi pour dire, hey, il va même t'étrangler, l'info. Donc tu as une super puissance, because super you are pouvoir. You are super power. That's why. Regarde, cette parole que tu négliges, those regarde comment ça fait transformer ta vie en quelques temps seulement. Look, quelqu'un a peur de ta parole. Someone is afraid about your word. Pourquoi il vous donne des amis? Pourquoi vous nous donnez des gens? Pourquoi vous nous donnez des disputes dans vos maisons? Disputes in your house. Confusion. Confusion in your house. Why Dieu dit faites toutes choses sans murmure. God said do everything without murmurs. Que quand tu te plains, quand tu bavardes, tu perds l'onction. When you murmur, you lose your anointing. Mon frère, tu peux imaginer que tu peux prendre 3 jours de jeûne. Je parle à tout le monde ici. 3 jours de jeûne. Purification de ta bouche. Vous savez, elle vous dit quelque chose. Les jeunes de 21 jours, de 50 jours, et puis les gens sont de vie, ils ont la bénédiction là. La puissance de nulle part. La seule chose qui permet qu'après ces 21 jours, tu aies la manifestation, c'est parce que tu te pries pour les bénédictions. Donc le pouvoir de la vie. Ils viendront te montrer tout ce qui est sale en terrain. Ils viendront te souiller. Ils viendront te salir. Tout ça à cause de ta parole. Seigneur, Seigneur, que ma parole soit désormais comme l'épée, comme le feu et le tonnerre. Au nom de Jésus. Bien-aimé, toutes les prières ne se font pas. On ne se lève pas pour prier, mon frère. Il y a des situations. Tu peux même faire 7 jours de silence. Tu ne vois personne, tu ne parles à personne. Tu es seulement dans ta maison. Tu sors, tu écris une note pour donner à ta femme. Je ne suis pas fâché, mais je suis en jeûne. Quand tu finis, tu parles, le soleil t'écoute. Tu parles, la nuit t'écoute. Tu parles. Parce que ta parole est aussi puissante que la parole de Jésus. Vos problèmes, c'est que vos bouches sont partout. Et quand ça allait plus à vous promener partout, après d'avoir critiqué, jugé, insulté, c'est vous qui attrapez les orchestres chez Internet. Et après, comme si tu es gamin, Seigneur, je ne réponds pas. Seigneur, je ne réponds pas. Maintenant, donne-moi mon mariage. Tu crois que tu vas jouer avec Dieu? Do you think that you can play with Dieu? Tu ne peux pas jouer avec Dieu. No, you can play with God. La puissance, the power, dans les lèvres, in the lips, peut déplacer les montagnes. Il n'y a plus de bouche souillée. Ainsi, professionnel en mouvement de commérage, méchanceté, mauvaise parole. Tu vas dire Jésus, 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 vos paroles. Your word, avant qu'ils arrivent ici aujourd'hui, ils n'ont aucune puissance. No power. Sorry, tout cela. Désolé de le dire. Voilà, c'est sûr. C'est la vérité. Des pasteurs ont prié. Les démons ont dit, je ne vais pas. Then the demons say, I don't go. Vrai ou faux? C'est pas une question de prière. C'est pas une question de prière. It's not about praying. Est-ce que la puissance d'un fusil, c'est une question de tuyau, canon? C'est une question de la poudre qui est dans le fusil. Quand des balles que tu dis, tu tombes à 5 mètres. La puissance que tu dégages. It depends on the power that you are manifesting. Dieu dit, quand vous multipliez vos paroles, je ne les écoute pas. Vous avez imposé les nerfs à vos enfants, ils sont morts. Vous avez imposé au mari de les parties. Après, vous les cachez, la nuit par qui offre. Je prophétise si vous m'avez. Vous prophétisez le gardien, et le gardien, ils sont pas allés à la copine. Vous prophétisez. On your husband's behalf.
On n'a qu'à promettre. Au nom de Jésus, je prophétise, je prophétise. Oh oui, tu crois que le soir là, il va juste venir à côté de toi. Le soir, il vient et dit Jésus a dit que vous les avez dormis. Vos bouches parlent trop. Your mouth speak too much. Pourquoi tu ne commences pas à prêcher? You speak too much. Vos bouches. Il faut envoyer l'album même si tu veux. Vos bouches parlent trop. Vos bouches parlent trop. Dis-moi si je mens. Aujourd'hui, la même démon le fait d'obéir à un pasteur. Au nom de Jésus, sors. Et puis le démon dit, il faut là. Faut pas venir me lever ici. Papa, vrai ou faux? On s'est promené dans les églises. On voit déjà des pasteurs, ça va des pasteurs. On n'a jamais cherché ce qui donne la puissance à la parole. We have been going from churches to churches. Lorsque j'ai mis mes pieds dans ce pays, le Seigneur m'a donné sa parole. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. C'est la vérité. Ton Dieu veut ordonner tu sois puissante. Ton Dieu veut ordonner que tu sois puissant. Dis le Seigneur. On arrête dans 10 minutes. Ordonne que je sois puissant. Ordonne que je sois puissant. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'as même pas besoin de dire, madame, écoute-moi. Ou bien d'aller même voir les cousins pour dire, parler, moi je suis pas prêt de lui parler. Tu n'as pas besoin de ça. Vrai ou faux? Maman, est-ce qu'il a besoin d'aller voir les cousins, les cousines pour dire non, je lui parle, ne m'écoute pas? Non. Si la parole est puissante, quand tu dis chérie, je sais. You will say, tu n'as pas besoin de continuer. Honey, je m'excuse. You say, I'm sorry. Vrai ou faux? Amen. C'est la vérité. Satan et ses cousins sont venus s'asseoir dans ta maison, dans tes affaires, dans tes affaires, et tu les chasses, ils ne veulent pas partir. And you kick them off and they don't want to go. Tu sais pourquoi? Why? Ils savent ce que tu fais dans ta bouche. They know what you do with your mouth. Ils savent que toi là, quand tu pries seulement, le ciel est fermé. They know that when you pray, the heaven, the sky is closed. Bien aimé, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On ne s'élève pas pour aller parler à son patron, pour dire patron. Il y a des gens qui viennent arriver, ça fait seulement un an. Moi, je suis là, ça fait 20 ans, je n'ai pas d'augmentation, c'est une mise à pied. En plus, mise à pied. If you go and speak anyhow to your boss, mais si tu you will be punished. But if you go in there, tu prends the secrets and take one week, une semaine. Just one week. Seigneur, purifie. Lord, purify me. Rends ma parole puissante comme le temps. Make my mouth, my word powerful like the thunder. La prière du juste a une grande efficacité. Ce dont tu as besoin, c'est de puissance. It's power. Dis avec mon Seigneur, ordonne que je sois puissant. Au nom de Jésus. Ce dont tu as besoin, c'est de puissance. S'il te l'accorde, ta vie changera. Ma soeur, la parole dans la prière, the word in the prayer time, n'est pas importante. Is not important. C'est la puissance qui accompagne la parole que tu vas cultiver. Dis-lui, Seigneur, viens me parle bien quand même. Seigneur, ordonne que je sois puissant. Bien aimé, tu vas aller quelque part dans un bus, quelqu'un vient s'asseoir et puis les délivrer. Tu vas dire non. Quelqu'un est passé ici. Ils vont dire, mais c'est un magasin, il y a des gens qui viennent ici. Ils vont dire non. Quelqu'un s'est assis ici. There was someone before me. Bien aimé, vous n'avez pas besoin de souffrir. Nous les pasteurs,
prophète, on a fait de vous nos esclaves. C'est honteux de vous voir pleurer à nos pieds comme si on était Jésus. Parce qu'on est égoïste. Dis les vieux offrandes à vous donner déjà. Est-ce qu'on a besoin de vous manipuler? Tithes and offerings you already gave. Do we need to manipulate? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu ne peux pas soumettre l'Égypte si tu ne deviens pas Dieu. Moïse, je fais de toi Dieu pour ma vie. Tu ne peux pas te présenter devant ce pharaon. You can't present yourself. Tu te présentes devant Dieu d'abord. Père, ordonne que je sois puissant. Ils ont peur de toi. Et toi aussi tu as peur d'eux. Le rapport des forces change. C'est la vérité. Ce message seulement, c'est plus mieux que les positions de l'église. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas la bénédiction. Bénédiction sans puissance, c'est prière sans exaucement. Jésus a dit, les démons qu'on chasse ne sortent que par le jeûne et la prière. There are some demons that you kick out mais c'est le jeûne et la prière où on emmagasine la puissance. C'est quelque chose. Même une femme stérile, even a barren woman, peut s'enceinter. Can get pregnant. No, can she pregnant, can pregnant herself. Herself. She can pregnant herself. Faut pas faire comme si je comprends pas. Qu'est-ce que je dis par là? What do I want to say? Pendant des jours, for several days, Seigneur, Lord, je purifie mes mains, je purifie mes pieds, je purifie ma bouche, je ne sais pas de tout. Seigneur, dépose ta puissance de guérison et je t'en prie par mes titres au nom de Jésus. Il te sera fait selon ta foi. C'est la vérité. Seigneur, ordonne que je sois puissant. Dieu vous a envoyé pour faire la différence. God sent you to make the difference. La taille de votre combat seulement montre que the size la taille de la bénédiction est frais qu'elle que. The size of your blessing is frightening your enemies. Même dans ce pays, even in that country, les grands sont dans les loges. People are in loges. Vrai ou faux? Right or wrong? Ils sont dans les. Yeah, ce sont des francs-maçons. Ce sont des décancards. C'est vous qui êtes là, vous faites semblant comme cette spiritualité là, c'est vous qui connaissez ça. And you are pretending that you are the only one knowing spirituality. Eux, ils sont dans la franc-maçon. Si on parle comme ça, c'est 52e degré. Si tu ne sais pas encore. Ce sont les gens qui causent à Lucifer. Toi, tu veux conquérir les entreprises dirigées par des satanistes en faisant les bons yeux. Non. By showing your eyes. You need power. Dis Seigneur, ordonne que je sois puissant. Tous les contrats bloqués, ça te bloque au nom de Jésus. Là où tu es là, il y a une chose que Dieu te demandait. Is asking from you. Demande-lui de te rendre puissant. C'est la vérité. Toujours prier. Mais si tu n'as pas demandé l'essentiel, ta vie n'ira nulle part. Regarde, depuis que vous priez sans puissance, vous allez seulement voir le pasteur, le prophète, pour qu'il vous localise. On a beau vous localiser, vous êtes au même endroit. C'est la vérité. Il y a une destinée en vous, un projet en vous, quelque chose en vous qui a besoin de. Tu parles et tes entrailles remuent. Tu parles, quelqu'un a 10 000 km et te dit yes.
l'Esprit dit le Seigneur, ordonne que je sois puissant. Cessez de chercher la prière. C'est une perte de temps. J'ai été dans un bureau au Canada. Cette dame n'est pas chrétienne. Mais elle avait une puissance phénoménale. Si tu es dans sa présence, tu vas l'aimer sans savoir pourquoi tu l'aimes. C'est pas l'esprit. Je l'ai senti. Je l'ai regardé, madame. Vous avez quelque chose de spécial en vous. Madame, you have something of the Holy Spirit. Elle me dit, mais comment vous savez? He says, how? Tout le monde me dit ça. Everybody tell that to me. Puissante, mais ignorante. Tu es puissante, mais ignorante. Puissante, mais ignorante. Parce que tu n'as pas dit à la parole, à la puissance, réveille-toi et manifeste-toi. C'est avec mon Seigneur. Je parle à ta puissance dans ma vie. Seigneur, je parle à ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus, ordonne, ordonne que je sois puissant. Ordonne que je sois puissant. Seigneur, ordonne que je sois puissant. Au nom de Jésus. C'est la vérité. Comme on est à la fin. J'ai souffert. J'ai galéré. J'ai travaillé dans un stationnement avec un salaire de 840 $ par deux semaines. Et puis quand le mois arrive là, le loyer fait au moins 700 $. J'ai fait payer 840 $. Souffrance sur souffrance. Jusqu'à ce que il ordonne que je sois puissant. Lorsque le Seigneur ordonne que tu sois puissant, ce que tu cherches, te cherche. Ce que tu cherchais, te ce que tu poursuivais, te poursuit. Regarde, il y a beaucoup de femmes. Et quand tu es passé comme ça, quelque chose l'a accroché. Il a tourné comme ça. Il a été obligé. Monsieur chef comme ça. Veux-tu me marier? Le génie a fléchi pour demander le mariage. Pourquoi? He had to un homme a rencontré la puissance. A man met with power. Dis-lui, Seigneur, ordonne que mon ministère soit puissant. Ordonne que mon ministère soit puissant. Ordonne que mon ministère soit puissant. Au nom de Jésus. Ma soeur, finis les blocages. Tes problèmes, je les connais. Toi-même, tu n'es pas capable de combattre tes problèmes. Mais Dieu, maintenant, va combattre tes problèmes pour toi. C'est la vérité. Mes frères et sœurs, parfois, je peux paraître arrogant. Parce que les gens ne comprennent pas les choses comme Dieu les comprend. Je ne suis pas passé pour une personne méchante. En voulant dire la vérité. En voulant être sincère. En disant, je ne suis pas là pour prier pour vous, mais je suis là pour vous apprendre à prier. Jésus a dit, ce que j'ai fait, je veux que vous fassiez le double. Où est le problème? Soyez honnête avec moi. Où est le problème? Si c'est l'homme qui dit, au lieu que tu cours derrière moi, moi je vais te donner une guerrière. Je t'enseigne mes secrets pour que tu sois capable de parler aux situations. C'est parce que tu es mieux. Mais pourtant, Jésus est jugé pour ça. Maintenant, Satan, quand il passe à côté de ta maison, dès que tu es dans le livre, parce que tu pries beaucoup. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé pour te rendre puissant. Personne ne peut prier si elle n'a pas une puissance spirituelle. Les gens qui n'ont pas la puissance n'arrivent pas à avoir la force de prier. Si tu peux prier, c'est que le Seigneur t'a rendu puissant. C'est la vérité. Parfois, vous êtes puissant sans le savoir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se lever. Mais vous lisez la Bible matin, midi et soir. Vous avez tellement prié que vous n'arrivez plus à vous arrêter de prier. La puissance de Dieu. Vous prenez des vidéos de 4 heures, 2 heures, 5 heures. Vous n'arrivez plus à vous déconnecter. Tellement il y a de l'onction sur vous. Quand la puissance vient sur toi, ce que notre
n'arrive pas à faire. Toi, tu arrives à faire sans pouvoir t'arrêter de le faire. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je pars pour changer l'histoire de ma famille. Au nom de Jésus. Cessez de pleurer. Puissante, mais ignorante. Puissant, même ignorant. Powerful, si tu regardes les choses de manière charnelle, you know, avec tes yeux, the color way, with your eyes. Toutes les nuits, sa mère, ses cousins, les enfants, ils sont obligés de venir t'attaquer pour délivrer ta famille. Tu commences la prière seulement, tu lèves ton as mari. Ils vont créer toutes sortes de problèmes. Tu as suivi toutes les églises possibles. Quand tu es arrivé, le feu, non. Stop, comment ça marche? Pourquoi doutez-vous de votre Dieu? S'il a dit que je vous ai créé à mon image, c'est que vous êtes des fils de Dieu. Dis-le au Seigneur, active ta puissance dans ma vie. Ordonne que je sois puissant. Ordonne que je sois plus fort. Ordonne que je me lève au nom de Jésus. Lève-toi. Nous sommes le premier jour du revivalisme. We are actually the first day of the revivals. Demain, invite tout ce que tu dois inviter. My beloved, invite all those that you can invite. Ce que nous allons faire. Because je ne sais pas quand Dieu va me dire de faire. I don't know what si God will ask me to do. Ils vont courir pour aller se cacher. If I say it, people will run away. On garde l'arme secrète pour le jour que Dieu va décider. For the day that God decides. Tu peux aller poser la main sur ta maison. You can go and lay hands on your house. En une minute, tu dis c'est accompli. And in 1 minute, et puis tu sors. And then you come out. Toute personne qui rentre là. Anybody who will go to your house. Je donne ma vie à Jésus. You give him the life to Jesus. Pourquoi? Why? Parce que quand il y a la puissance de Dieu sur toi. Because when there is the power. Même quand Paul touche un mouchoir. Even if they take. Il y a la puissance dedans. There is power. Quand tu poses la main quelque part. Il y a la puissance dedans. On ne peut pas être fils de Dieu sans la puissance de Dieu. You can't be a son of God without the power of God. Vous combattez contre les puissances satanées. You are fighting against. Et vous voulez rester des hommes charnels. And you want to use carnal weapons? No. Non. No. Ça ne marche pas comme ça. It can't work this way. La puissance que donne la prière de combat. The power gives you the. Maurice Cerullo. Maurice Cerullo. Grand pasteur américain. Great American. A dit quoi? Said. Spiritual warfare. Le combat spirituel is divinely energized. Est énergisé divinement. C'est un pasteur. Quand il arrive dans un pays, tous les sorciers perdent 70 jours. When he comes all the way. Et même quand il revient, ils attendent 70 jours avant de se rendre chez eux. And when he comes back, they wait 70 days before they Maurice Cerullo. Maurice Cerullo. Il connaissait le secret de la puissance. He knew the secret of power. Un petit homme t'a résisté pour aller faire mariage. Mon ami, on ne va pas dire de venir me marier, ça fait longtemps que ça. Et il est même capable de dire à ton père, Jésus va prier. And he will not tell, ask you to go and tell your father, I'm not ready. Et il n'est pas ready, mais il est toujours ready. Ça n'a pas de sens. It doesn't make sense. Mais si la bouche but if the mouth qui avait parlé that had spoken était ointe, was était rempli, was filled, était onctionné was avant de parler. Ce monsieur n'allait même pas marry, il allait courir comme si on a mis le feu derrière lui. He would rather go to your parents to ask for your marriage. J'ai dit, mais tu es trop pressé. Dis-lui, Seigneur, ordonne que ma carrière soit puissante. Seigneur, ordonne que je sois puissant. Investis-moi. Au nom de Jésus. Maintenant que j'ai fini, lève les mains. Raise your hands. Dis Seigneur, say, Lord,
Je sais que je suis venu. I know that I came. C'est peut-être pas ce que j'attendais. Maybe this is not what I was expecting. Mais du moment que c'est ce que tu voulais, as long as this is what you, je reçois la bénédiction. Receive the blessing. Bien-aimé, je bénis ta vie ce soir. I love, I bless your life tonight. Je prophétise sur ta vie. I prophesy over your life. Que la pluie de bénédiction tombe sur toi. Rain of blessings fall dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Le Seigneur est en train de te toucher. The Lord is touching you. Reçois maintenant receive la puissance qui transforme même dans le that silence. Transforms in the silence. Reçois la faveur de l'Éternel. Receive the favor of the Lord. Sois investi. Be invested. Sois revêtu. Au nom de Jésus. Lève la main. Forme le poing comme ça. Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je reçois la puissance pour entrer dans ton plan. Je ne veux plus agir dans la chair. Seigneur. Aujourd'hui, today, ta grâce descend sur moi. Your grace goes down on me, falls on me. Dis avec moi, ma vie, ma vie, ma vie. My life, écoute-moi. Listen to me. Tu seras comme Dieu veut. You will be like God wants. Reçois la restauration. Receive restoration. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Bien-aimé, my beloved, en partant d'ici, as you are going, je vais te donner un mot. God gives you a word. Quelque chose something a changé dans ta vie. Has changed in your life. Hey, c'est comme ça que tu réponds. Is it how you answer? Le Seigneur me met à cœur de dire à quelqu'un. Today, en partant d'ici, as you leave quelque chose a changé dans ta vie. Hey, hey. Dis-le-moi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Regarde, il y a l'huile qui est en train de couler. L'huile de la restauration. Il y a une porte qui est ouverte. Est-ce que quelqu'un veut recevoir? Si je reçois, je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Reçois l'onction, la puissance. Regarde, 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 regarde. Tu voulais la puissance? You want the power? Hey! Hey! Power, power, Jesus is powerful. Tu voulais la puissance, non? Jesus is powerful. Power, Jesus is powerful. Jesus is powerful. Power, Jesus.
Jesus, merciful. Merciful. Étends tes mains à quelque chose que le Seigneur veut te donner. Étends tes mains. Je reçois le manteau de la nouvelle vie. De la nouvelle vie. De la nouvelle vie. De la nouvelle vie. Quelque chose a changé dans ta vie. Quelque chose a changé dans ta vie, regarde. Powerful, Jesus is powerful. Powerful, yes, is powerful. Powerful, Jesus is powerful. He left big smile. Descend, personne ne peut te lier. Quand elle descend sur toi, quand elle te localise, quand elle coule en toi, tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tout change aujourd'hui. Regarde avec moi. Tout change aujourd'hui. Tout change aujourd'hui. Tout change aujourd'hui. Tout change aujourd'hui. Lève la main. Raise your hand. Lève la main. Raise your hand. Dis Seigneur. Au moment où je baisse cette main, je déclare que tout est accompli. Dès que tu vas baisser la main, tu crieras victoire sept fois. Victoire à sept fois. Victory seven times you scream. En baissant cette main, en baissant cette main, je mets fin à quelque chose qui a duré dans ta vie trop longtemps. Et dès que je baisse la main, tu diras victoire cette fois.
onction. Oh, ce soir, je sais que mon Seigneur là. Il y a de l'onction. Il y a de l'onction. Ce soir, je sais que mon souverain est là. Larissa, il y a de l'onction. Il y a de l'onction. C'est toi. Je sais que mon souverain est là. Est-ce que tu le sens? Tu le sens? Tu le sens? Il y a de l'onction. Il y a de l'onction. Ce soir. Je sais que mon sauveur est là.
Attendez, arrêtez de gâter sa chanson là. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Allez, chante-nous. Musicien, s'il vous plaît. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné et je le sais.